Salut YouTube, c'est Eriz, ton youtubeur et streamer préféré. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tu l'attendais, je sais que tu l'attendais. Vous êtes plein à me dire Eriz, mais je comprends pas, elle est où la Charlie Stop? Elle est là! Elle est là, donc je vais être avec mon ami Gudule que tu as déjà vu. On a déjà fait le guide 7 qui a bientôt atteint les 10 000 vues. On a fait beaucoup de choses avec Gudule. Évidemment, dans l'ordre du League of Legends. Calme-toi. Tu auras toute sa chaîne en description, évidemment. N'hésite pas à le follow, c'est un bon gars. Bully Take, merci pour le follow les, mon ref, bienvenue à toi. Voilà, je suis avec toute la commu. Comme d'habitude, n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch, on est bientôt 15 000. On rush les 20 000 cette année. Et voilà, on va te faire kiffer. Tout simplement, je te rappelle qu'on a un service de coaching gratuit sur le Discord, t'as tout dans la description ou dans le commentaire épinglé. On a des tournois ouverts à tous avec des coffres d'apparat à gagner. Des solo queue, des duo queue, tu peux gagner des coffres d'apparat tous les samedis, dimanches. Voilà, on t'attend, frérot. Et en plus, on est en train de créer des équipes pour faire des scrims entre la commu et tout casté sur le stream. Tu vas te régaler. Voilà, bonne vidéo. Et pense à bon agul. On commence du coup par Aatrox. Aatrox, tu le mets où dans cette méta? Je crois que c'est très fort hein, actuellement. C'est hyper bien, tu sais pourquoi? Parce que Aatrox, c'est mon permaban. Ah, ok, d'accord. On fait une tier list qui est générale, genre. Ouais. Du coup. Oui, là, on prend en compte que le joueur. En fait, c'est la méta, donc le joueur qui joue champion le joue sans erreur. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que y a des choses qui varient. On a souvent des débats en mode. Moi, je suis à plus bas Elo, je trouve le match-up facile, et à plus haut Elo, oui, mais... il est plus difficile, machin. On va essayer de faire une balance entre les deux. Ah non, mais là, ouais. Là gros, vraiment, on part du principe. Que c'est littéralement le meilleur joueur Aatrox du monde qui est sur Aatrox. C'est-à-dire le mec ne fait pas d'erreur. Okay, en fait, c'est vraiment une tier list sur la méta là, tu vois, sur les patchs 12.10 et 12.11. C'est vraiment, vraiment pour la méta là. Sinon, je t'aurais dit, bah viens faire une tier list. C'est toi qui avais fait la tier list platine avec moi ou pas? Je sais plus. Non, je crois que c'était Rezorak aussi. Non. Je sais pas si on a déjà fait une tier list ensemble. On avait fait une tier list. Les meilleurs champions pour apprendre. Des persos pour apprendre. Ah pour ouais, apprendre, voilà. Ouais, c'est ça. Là vraiment, on part du principe que c'est le meilleur joueur Aatrox du monde sur Aatrox. Et pareil sur tous les autres. Okay, okay. C'est vraiment pour bah, parler de la alors, méta, tu vois. T'as mis quoi comme tier? T'as mis S plus S et ça va jusqu'à D? Ouais, okay. Ça va jusqu'à D. Ouais, du coup, Aatrox c'est S plus. Hein. Bah, surtout avec le nerf de lentille, le champion est incroyable. Mais grave. De ouf, le perso était déjà trop fort. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau patch, bah, il est encore plus fort. Voilà. Et en plus la méta lui scie bien parce que bah ouais, il a pas vraiment de choses counter actuellement. Il est tanky, voilà, ouais, c'est du mal. Ouais. Mais c'est étonnant parce que moi en gold plat j'en croise pas beaucoup. J'en croise pas beaucoup en gold plat, tu vois. Ah ouais, bah justement c'est le genre de perso qui a plus bas elo et plus difficile à jouer, donc moi je peux te dire que là je joue à peu près en, on va dire en moyenne diamant 1. Ouais. J'ai pas envie d'en croiser hein. Il y en a beaucoup et j'ai pas envie d'en voir. Alors est-ce que Akali tu veux la mettre au top ou pas? On peut la mettre au top, ouais. Je crois qu'Akali dans la méta est pas ouf. Bah elle est pas ouf, ça reste Akali. Je pense qu'on peut la mettre. Bon, pour une tier list comme ça, je pense que c'est important de. Tu vois, par exemple, dans le tier A, de mettre le haut du tier A et le A du tier bas, tu vois. Ouais, on les classe, tu vois. On les classe de gauche à droite, on les classe du plus fort à gauche, du moins fort à droite. Oui, je pense qu'elle est quand même dans le haut du tier A. Ouais, ok. Parce que ça reste Akali et c'est trop polyvalent et c'est trop chiant. Il y a aussi pas mal de top laners qui sont sensibles. Sensible au kite de Akali, surtout dans la méta, genre il y a champion, pas mal de bruiseurs qui sont pas dégueu, donc voilà. Le champion en solo queue reste quand même énervé quand même. Ouais, c'est clair. Akshan, bah, je vais dans ta gueule justement. Akshan, tu le mettrais où? Je trouve ça moins fort qu'avant. Ah, c'est vachement moins fort qu'avant, après ça reste un ADC et les ADC c'est fort en ce moment. Mais moi je le mettrais A. Dans A aussi. Ouais, je le mettrais A, ouais. Pareil. Moins fort qu'Akali par contre. C'est pas horrible. Mais bah parce que c'est Akshan en fait. Exactement. Mais c'est moins fort qu'avant, ouais. Alors attends, dis-moi si je n'oublie pas, mais normalement là il y en a pas. Camille du coup le prochain top laner. Camille. Ah Camille, c'est compliqué comme situation. Si on considère que c'est un bon joueur qui joue Camille, ah bah, on je pense que je la mettrais dans le bas du S. Ouais. Parce okay. que elle a pas un milliard de bons match-up non plus, mais elle en a pas vraiment de mauvais non plus, tu vois, genre c'est un peu. C'est un peu un entre-deux et un bon joueur de Camille, il saura toujours faire des trucs peu importe la méta. Du coup, ce sera forcément en S tout le temps parce que le kit permet voilà, de faire ce qu'on veut tout le temps, peu importe la méta. Cassio, est-ce que tu veux la mettre en top ou pas? On peut remplacer. Ouais, on peut, mais c'est vraiment pas ouf. Ce sera genre du entre C et D, je pense. C'est tiers, ça te va? Ça peut surprendre, c'est situationnel, ça peut surprendre.
Bien sûr, mais si on considère que c'est le meilleur joueur du perso, il tombera contre des gens qui savent jouer contre aussi, mais il sera pas avec Trix. En fait, Cassio, le truc c'est que les mecs qui jouent Cassio, ils feront tout le temps la même chose quand ils sauront bien la jouer, tu vois ce que je veux dire. Ouais. T'as des picks comme ça, genre un autre exemple, ce sera Irelia, où les persos font tout le temps la même chose, même quand ils sont parfaitement joués, donc c'est gérable quoi. Shogat. Je l'aurais mis Béthière, moi, je trouve ça pas incroyable. Sûrement le haut du Béthière. Parce qu'en fait, le perso est pas si horrible, mais la méta est trop dure pour lui. Bah, moi, par exemple, j'ai un Shogat, je sais que j'ai Lilia, c'est terminé, quoi, je sais. Ouais, bah voilà, ouais. Lilia, c'est trop fort en ce moment. Pour moi, franchement, c'est. Le problème, c'est que Shogat, c'est. En fait, par exemple, on aurait été en Silver Gold, si je le mettais A, tu vois, facile. Mais ouais. Dans une méta où tous les joueurs savent jouer, le champion, il est. Tu vois? Mais ouais, c'est clair. En d'autres méta, pas si vieille, hein, parce qu'il y a beaucoup de méta qui changent en ce moment, là, cette saison. Ouais. Au début de la saison, il était largement meilleur et il aurait été un peu plus haut, tu vois. Mais là, en plus, il y a des items comme la BOTRK et tout qui sont. Ah, c'est pour ça le massacre. Qui sont méta et donc c'est fort contre les persos qui ont beaucoup d'HP, etc. Et voilà. Il y a beaucoup de kites aussi. Darius, tu le mettrais où? Darius c'est soit S soit S plus déjà, ça c'est sûr, parce que le perso est vraiment. Il est vraiment fort, ouais. Bah tu dans tous les cas il a toujours vraiment été fort. Fort hein. Et fort contre tout, ouais c'est ça, et là pour le coup il est vraiment balèze quoi. Je pense qu'on va le mettre en haut du S. Ok, devant Camille. Parce que. Ouais, y a toujours du counterplay quand même, Darius. Ok. Et derrière c'est pas non plus le meilleur champion du jeu, même si. Oui, alors que Aatrox. Alors que Aatrox, ouais bon. Même sans ce feed, il ulti, il peut tempo pendant une demi-heure. Je pense que c'est le haut du S tier, Darius. Okay. C'est quand même très très fort, hein, mais voilà. Mundo, tu le mettrais où? Mundo, je trouve ça un peu naze. Hein. Ouais. Je pense que c'est un peu comme Shogat. C'est Shogat tier pour moi aussi, ouais. Okay. Ouais, c'est Shogat tier. Parce que bah, il y a encore. Meilleur que Shogat. Je trouve ça meilleur que Shogat, honnêtement. Je sais pas, parce que Shogat il peut se jouer AP aussi quand même, mais. Ouais, si je pense que c'est meilleur que Shogat. C'est meilleur que Shogat quand même, on a du slow, on a des bons dégâts, il y a quand même le. Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'est un peu meilleur. Et en plus, il y a l'antil qui a été nerf, donc ça l'avantage pas mal, ouais. Fiora. Fiora, c'est. Pour moi, c'est S+. C'est assez compliqué à aborder. Pour moi, c'est S+. C'est S+. Ouais, je sais pas si je le mettrais jusqu'à S+ quand même, parce que. Après, si on part du principe que c'est vraiment un très très bon joueur de Fiora. Là, on part que, ouais, gros, on parle juste de la méta. Donc, le champion, s'il était joué par un bot, contre un bot qui jouait. Dans ce cas, c'est S+, ouais. Pour moi, c'est clairement S+ comme champion. Elle profite S+. De la méta en plus. Ce sera pas le meilleur, pick du S+, par contre. Parce que quand même, il y a des petits points où. En fait, Fiora, elle peut tout battre, mais elle peut se faire battre partout aussi, quoi. Donc. C'est ouais. Le seul défaut du champ actuellement, quoi. Mais sinon, le perso est très très fort, ouais. Ça profite de l'ordre de. Ouais, bien joué, ça peut, tu peux solo carry, quoi. Donc, oui, bien sûr. Gank, Plank, tu le mettrais où? Là, on parle Gank de vrais bons joueurs. C'est sous-côté de ouf, hein, Gank, Plank. Hein. Moi, je trouve ça très très fort aussi. Hein. Franchement, Gank, Plank, je pense que c'est le. Genre le bas du S, en vrai, je pense. Ça me paraît correct. Très correct. Ouais, la difficulté du champion rend le. Ouais, c'est ça. Après, je pense que contre les trucs, je vais dire, les pics à la con du moment, il fait pas non plus long feu contre tout le monde. Mais vu que ça reste un pic qui demande beaucoup de maîtrise, et une fois maîtrisé, tu peux un peu tout gérer aussi, je pense. Garen. Garen, c'est compliqué. Garen, c'est très compliqué. Alors, Garen, il est dans une situation un peu particulière parce que, pour le coup, je trouve actuellement son early plus faible qu'avant, mais je trouve qu'il scale assez bien. Ouais. Et le phase rush est vraiment fort sur Garen aussi. Hein. Ouais, mine de rien, ça reste un pic. Moi, je le mettrais en A. Droit et... Moi, je le mettrais en A. Ouais, je pense qu'il est dans le haut du A aussi, ouais. Derrière Akshan et Gwen, quand même. Je pense qu'il est meilleur que Akshan, quand même. Ok. Parce qu'il fait des trucs, quand même. Gnar, je pense que c'est le haut du B tier, un truc comme ça. C'est pas incroyable, je crois, en ce moment. C'est pas si foufou, ouais, et puis il tombe contre des trucs qui ont trop de mobilité contre lui, il se fait casser en deux, quoi. Surtout qu'il y a beaucoup de Ghost qui se jouent en ce moment. Ouais, bah voilà, Darius avec Ghost, Camille... Camille, c'est imprenable. Gragas. Ouais. Gragas qui est un peu revenu, mais... Alors Gragas, ça vient d'être up de ouf, hein. Ça a gagné... Enfin, il y a une seconde de CD en moins sur deux sorts, je crois, un truc du genre. Ouais. Donc c'est beaucoup.
Après, moi, je le mettrais A tier, tu vois. Ça vaut pas un S, je pense, Gragas. Ah, je sais pas, parce qu'en fait, c'est un bon anti-méta, Gragas, je pense. C'est toi qui est classe, genre, je me dis. Dans tous les cas, s'il y en a qui sont pas d'accord, ils discuteront avec toi dans les commentaires et ils diront ouais. Moi, je pense que c'est quand même le haut du A tier. Okay. Mais en effet, ouais, devant si Akali. Vous avez des remarques à faire en commentaire. Voilà. Évidemment, pas des remarques à la con. Hein. Si Gudul il a un avis de merde, bah, on va te faire ta gueule. Quoi. Genre, je te bannerai. Non, mais non, je banne, non, je banne à vue les commentaires à la con. Vous pouvez débattre, intelligemment. En, ouais. En effet. Graves, est-ce que ça se joue toujours top à ton avis? Oh non, ça pue du cul, Graves, top. Okay. Non. Et là, on va arriver On peut le mettre avec Cassio, je pense, parce que ça c'est pas mal joué top au World et tout, donc on peut le mettre avec Cassio. Gwen. Alors Gwen, ça va faire débat, je pense. Hein. Est-ce que Gwen, c'est grave nerf comparé à avant déjà, ça c'est sûr. Le pick resté présent parce que ça se joue en jungle il y a pas longtemps. Mais c'est vraiment pas aussi fort qu'avant en top lane. Je pense que c'est genre le bas du A tier parce que ça reste quand même un pick mobile qui a des trous de mage et tout. Ok. Mais c'est clairement pas aussi fort qu'avant et on n'en voit pas tant que ça au final. On pouvait peu abuser de son W, voilà. Bah c'est pour ça, c'est parce que c'est moins fort qu'avant. Illaoi. Illaoi, je pense que c'est plus fort que ça ne l'est d'habitude. Ouais, parce que le champion a été buff, les stuffs ont été buff, mais je trouve que le champion pue la merde. Enfin, je trouve qu'il fait rien. Bah, ça, en fait, ça, elle a toujours les mêmes problèmes qu'elle a toujours eu avec son kit, quoi. C'est que elle est trop dépendante du spot où elle se bat. Ouais, ça. Bon, c'est quand même un A, je pense. Elle est meilleure que Gwen, je pense. Ah ouais ? Entre Gwen et Akshen, je dirais. Ouais, okay. ouais, quand même. Mais moi, je trouve qu'il a eu le problème, c'est que t'as un perso de split. Après, c'est sympa parce que c'est sûr, tu peux, avec ton outil et tout, tu peux absorber la. Tu peux absorber la pression, mais je trouve ça vraiment pas bon. C'est mon champion avec le plus de points encore, hein, Illaoi. Pour avoir spawn le champion, je trouve ça pas incroyable. Ouais, après, ça a pas mal de consistance avec les nouveaux changements de la durabilité et tout. Ouais. Et le fait que la Nordantil soit nerf aussi, parce que ça se heal pas mal, Illaoi. Ouais. Mais voilà, c'est pas. Elle est dans un bon spot pour Illaoi, quoi. Ouais, c'est ça, elle a un peu buff, quoi. Elle est un peu mieux qu'avant. Ça reste un kit problématique, quoi. Irelia. Irelia, ça pue du cul depuis un moment, en vrai. Quoi? Non. En vrai, c'est un. Si, c'est nul depuis un moment. Non. Si, je te jure. Mais attends, tu vas créer un débat là. Ah, si, ça, Irelia, ça fait depuis le début de la saison, c'est vraiment pas ouf. Hein. Je vous jure. Tu la mettrais où du coup? En fait, je m'explique avant de la placer. Vas-y. Irelia, c'est comme. Alors, pour qui on avait dit ça tout à l'heure? Je sais plus pour quel champion. On avait dit ça pour Cassio, je crois. Cassio, ok. Que, une fois qu'Irelia obtient un seuil à partir duquel elle joue bien le perso, bah, elle va quand même toujours faire la même chose. Parce qu'il y a une seule façon de jouer Irelia en vrai. Okay. T'as des champions qui peuvent outplay de façon différente. Genre, Fura Kami, quand le mec est vraiment trop fort, il va te faire des trucs qu'il y a que lui qui y pense, tu vois. Okay. Alors qu'Irelia, elle fera toujours la même chose. Donc, ça a quand même certaines limites. Et en plus, il y a plein de match-up qui la gèrent assez facilement actuellement. Okay. Peu, genre, elle tombe contre Darius. Darius est vraiment balèze aussi. Je pense qu'il peut la gérer assez facilement. Et elle dépend trop de son E, par exemple, dans les trades qui sont faciles à anticiper, etc. Donc, en vrai, on peut la mettre. Je la mettrais vers Gwen aussi, quand même. Ok. Derrière Gwen, Illaoi. À mon avis. Derrière Gwen aussi, je pense. Ok. Alors, t'en penses quoi, toi, de Irelia? Du coup, tu trouves ça très fort? Je me suis fait exploser pour une Irelia tout à l'heure, mais parce que, ouais, après le champion est bon, mais bon, ouais. Ok. Bah après, ça reste un champion de solo queue, tu vois, assez cheesy. Je trouve ça quand même meilleur qu'une Illaoi, perso, mais bon, après. Après, si on part que la Illaoi est jouée parfaitement et que la Akali et la Irelia est jouée parfaitement, je sais pas. Je préfère. En fait, je joue à un Elo où il y a vachement de mind game en top lane dans les duels et tout, et c'est là que tu te rends compte des vraies limites des champions, ouais. Et des joueurs quand ils maîtrisent les champs, tu vois. Après, encore une fois, c'est un avis, c'est... Jax. Jax, c'est pas horrible. C'est même assez fort avec la BOTRK actuellement. Je pense que...
Je pense que c'est entre A et S, à mon avis. Moi, je le mettrais au-dessus de Gragas. Ouais, ouais, je pense aussi qu'on peut le mettre en haut du A. Ouais. Parce que le pick est quand même assez balèze, il profite bien des items et tout. Ça reste un champion un peu, voilà quoi, un champion un peu simple et efficace, on va dire. Donc voilà, bah... Ouais, Jax, il a beaucoup d'HP hein, vraiment avec le buff là. Hein. Il y a Alexis Tronier qui m'a dit le gars avec toi il est vraiment pas drôle. Est-ce qu'on c'est est mon C'est mon modérateur. J'allais l'allumer. Yo Kane. De toute façon les gars oubliez pas, chaque tier list est personnelle et sera différente. Exactement, il faut prendre 17 personnes et faire avoir 17 tier list différentes. Jace, j'allais le démarrer. Excuse-moi. Non, c'est bon. Heureusement que tu m'as dit son pseudo avant. Excusez-moi les gars, j'aime que vous me moquiez de moi, je m'en fous, mais des invités j'ai un peu du mal avec ça. Jace c'est un peu moyen actuellement. Je trouve ça plutôt nul moi. J'aurais mis en B en vrai. En bas du B, ouais, c'est du B. Bas du c'est B, moins fort que Gnar je pense. Ouais, bas du B, vas-y. Parce que les tanks ils font des trucs de tank, tu vois, alors que Jace, bof. Exemple, et tant mieux d'ailleurs, hein, perso n'a envie de voir Jace en fait. Donc tant mieux. Kayle. Ah, Kayle c'est fort quand même. Hein. C'est pas mauvais. Hein. Alors j'en vois pas tant que ça. On en voit plus tant que ça. On en voit plus tant que ça, ouais. Mais je pense que c'est fort hein, quand même. Hein. En fait, il y en a eu pas mal quand il y a eu la première semaine du patch durabilité là. Ouais. Mais là il y en a moins, je sais pas pourquoi, parce que le pic est quand même fort. En vrai je pense que c'est au moins un A. Oui moi aussi c'est A vers Garen et Akali j'irai. Ouais je suis d'accord ouais, entre Garen et Akali. Kennen. Alors Kennen on en voit pas beaucoup non plus. Non mais c'est très fort. Néanmoins, alors pour moi Kennen... Et ça, je l'avais dit quand on avait fait la tier list des persos pour apprendre la top lane. Oui. Pour moi, Kennen, ça c'est et ça restera le meilleur range top. Ok, donc on peut le mettre en S. Bah, ça fait tout. Donc je pense qu'on peut le mettre en S. En bas du S. Moi, ça me paraît très correct. Grand plan, à mon avis. Parce que voilà, c'est le meilleur range top pour moi. S'il y a bien un range top que vous avez envie de jouer, même si j'ai la haine contre les range top, hein, mais voilà, ça devrait être Kennen, je pense. Ok. Kled. Oula. C'est compliqué à classer Kled. Hein. Kled, c'est compliqué. Quel champion d'enculé, putain, quel champion de merde. Après, ça reste assez cheesy et tout, mais un très très bon Kled. Quel enfer, quoi. Je pense que c'est vers Jax, à mon avis. Hein. Ok. Pas devant Jax, je pense pas que ça mérite. Parce que c'est du cheese, tu vois, donc on peut pas non plus le mettre trop haut, mais ouais, en dessous de Jax, c'est pas mal. Ouais. Est-ce que tu veux mettre Lilia ou pas? Ah bah oui, il faut, je pense. Vu la présence de Lilia top actuellement, il faut la classer. Et je pense que c'est du S. Ah bah le champion est trop fort en ce moment. Hein. Le champion est trop même fort. Même devant Kennen, je pense. Hein. Ouais, mais même devant GP, hein. C'est à côté de Camille, à mon avis. Ok, ça me paraît correct. Parce que le perso est vachement représenté, déjà. Parce que ça fait un AP top aussi, que c'est pas souvent qu'on voit des AP top. Et surtout, il met beaucoup de pression dans les teamfights et tout, c'est impressionnant. Voilà, c'est ça, il met beaucoup de pression, ça court vite, c'est polyvalent, c'est assez safe, mine de rien. Oui. Et alors, on est en quel patch là? On est en 12.10, non? 12.11. 12.12 12.11. Voilà, on précise le patch quand même. Parce que si le pic se fait astronaire, je le mets dans le titre absurde, les patchs. Bah voilà, parfait. Tac. Malphite, gros. Malphite, c'est... Oh, Malphite le pauvre, hein. J'ai envie de dire, actuellement, là... Malphite, c'est pas la folie pour lui, hein. Tu le mettrais où? En fait, tu prends tout ce qui est à tiers et au-dessus, bah c'est fort contre Malphite. On le mettrait quoi, C, du coup? Ouais, en vrai, c'est un C, je pense. Ou alors un B, mais genre le fond du B. Ok. Ouais, parce que le champion reste quand même utile, quand même. Ouais, bah ouais, ça reste Malphite. Mais bon, il est pas dans un très très bon spot, quoi. Est-ce que tu veux mettre Maokai, mec? Bah justement, Maokai est dans le C, par contre. Lui, par contre, ouais. C'est pour ça que je voulais mettre tout le temps en B, pour faire une différence entre Malphite et Maokai, quand même. Mordekaiser. Mordekaiser, c'est fort, hein. Ouais. Mordekaiser, c'est hyper consistant actuellement. Hein. En vrai, je pense que c'est S. Sans hésitation, c'est S.
Ok. Derrière GP, peut-être, c'est non pas OP, c'est pas OP. Ouais, je le mettrais entre GP... Je mettrais... ouais, entre GP et Lydia. Ok. Parce que, bah, ça c'est facile à jouer et c'est facilement très très efficace. Même quand t'es derrière, tu peux être suffisamment tanky et tout, donc... ouais. Ok. Mérité, je pense, comme place. Nasus. Ah bah, Nasus... Oh, bah, Nasus, il va bien monde. Aller dans le... Il va aller dans le D comme Dogo, je crois. Hein. Ah, c'est nul. Nasus, bah, malheureusement. Moi, j'adore jouer Nasus, ça. Hein. Mais bon, c'est pas très facile à sortir, quoi. Olaf. Olaf, c'est cool, quand même. Olaf, ouais, c'est... Bon. C'est S, au moins, je dirais. C'est... Ouais, c'est le bas du S, je pense. Je dirais, c'est... Ouais, vers Kennen. Okay. Peut-être meilleur que Kennen, quand même. Ok. Parce que le champion, en fait, a tout ce qu'il faut pour être fort dans la méta. C'est pas non plus... En fait, les autres persos qui sont au-dessus de lui ont des armes contre lui, quoi. Ok. Mais c'est clairement un très bon champion. Je vous dis un petit truc là, comme ça, là, tout de suite. Si vous voulez jouer Olaf, il faut jouer Trinité Sterak. Voilà. Avec Ghost. Je vous le dis comme et ça, barrière, parce que les gens ne savent pas assez comment le stuff. Et ouais, Ghost barrière, c'est stylé, ouais. Orn, du coup, mec. Orn, c'est un très bon Saint-Tank qui fait tellement de dégâts. Ouais. Bah, c'est le meilleur des pur tanks, je pense. Ouais. Parce qu'en pur tank, t'as Cho'Gath, Malphite, Maokai, Mundo et Ornn. Je le mettrais ouais, A, moi. Le meilleur d'entre eux. C'est A et je pense que c'est meilleur que Jax. Donc c'est le haut du A, à mon avis. Okay. C'est très représenté aussi, Ornn, actuellement. Attends, je suis où... Panthéon, est-ce que tu veux le mettre au top ou pas? Ça peut se jouer. Alors ouais. Parce que déjà, les derniers patchs sur Panthéon, on visait à le remettre au top. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup jouer Panthéon top. Mais c'est pas... Béthière. clairement, c'est le... Ouais, c'est... Peut-être là, non? C'est entre... Ah, c'est un peu en dessous encore. Hein. Je pense que c'est entre Jace et Cho'Gath. Ok. À mon avis. Okay, parce qu'il a le défaut de pas être tant qui vraiment. Et ça va pas mal l'handicaper, quoi. Ok. Poppy. Poppy, c'est un peu comme... c'est un peu le même cas que Gragas, on va dire. C'est des anti-méta. Ouais. Et c'est assez sous-côté, Poppy, quand même. On le met à côté de parce que les très bons joueurs de Poppy, ils sont balèzes, hein. donc, je pense que c'est du A, déjà, au moins. À côté de la Grag, et à côté de Gragas, ouais, du coup, ouais. Ça me paraît ils sont dans le même cas. Et respect aux joueurs de Poppy. Queen. Il y a Renekton, je crois. Ah ouais, il y a Queen avant. Alors, Queen, elle est assez forte sans être non plus trop broken. Ok. Je pense que c'est du A aussi. Ok, tu la mettrais où? Fin de A? Je pense qu'elle est meilleure que Gwen et Irelia quand même. Okay. Parce qu'elle a l'avantage de pouvoir roam. Et ça, c'est quand même pas non plus négligeable, je pense. Ok. Renekton. Alors, désolé aux joueurs de Renekton. Parce que Renekton, il s'est fait buff. Ouais. C'était trop bien. Et au buff d'après, ils lui ont cassé les genoux. Ouais, donc, okay. Du coup, Renekton, c'est un peu bon. C'est un bon perso en counter pick dans certains matchups. Ça reste B. Et en blind pick, ça reste pas la folie. Okay. Ouais, je pense que c'est le haut du B tier. Ok. Il aura l'avantage dans certains matchups. Et Renekton n'a jamais vraiment été autre chose qu'un pick pour counter pick en fait. Est-ce que tu veux mettre Rengar On peut mettre Rengar. Tu le mettrais. Mais Rengar, c'est. Je pense que c'est du B. À côté de Panthéon. Ouais, parce que c'est ça cheesy. Reste cheesy, le stuff ouais. Est bon. En fait, le perso est fort en jungle, mais pas forcément en top lane actuellement. Ok. Rumble. Il y a Riven juste avant, je crois. Ah, Riven, pardon. Quel champion de merde, Riven. Ouais. Riven. Ouais, Riven, c'est fort. Hein. Ça profite trop bien des items broken et tout. Oh, c'est du S, hein, Riven, je pense. Ok, tu la mettrais ouvert. C'est à côté d'Olaf, je ouais, pense. C'est un peu le même délire ouais, de champion, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est quand même assez spécifique aussi, parce qu'il n'y a que les OTP Riven qui jouent très très bien Riven quand même, donc... voilà, c'est okay. Fort, quoi. Rumble. Du coup, Rumble. Rumble, c'est difficile à classer, on n'en voit pas beaucoup. J'en ai eu un tout à l'heure, il a enculé la game. Ouais, je pense que c'est assez secret OP quand même. On peut le mettre dans le... Un bon A. Allez, en vrai, je pense que c'est plus fort que ça en a l'air. Je pense que ça se met okay. À côté de Ornn quand même. Ok. Une très bonne place quand même hein, pour lui, mais je pense vraiment que le champion est trop fort et trop sous-exploité. Ok. Parce qu'en plus, ça profite pas mal des dégâts sur les PV et tout, parce qu'il a été buff du coup, vu que tout le monde a plus de PV.
Ok. Donc c'est fort. C'est Joanie, tu la mettrais où? Oh, c'est Joanie, je sais pas si on peut vraiment la mettre en top lane en vrai. Ok. On la met pas en haut, hein. Ça... Je pense pas que ça vaut le coup. On arrive, pense, on y arrive, mesdames et messieurs. Ah, le 7, tu le mets où 7 dans la méta actuellement? Alors, va falloir que je sois objectif. 7, je pense que c'est un bon A. Ok. Parce que ça, y a une très bonne polyvalence sur le champion. Mais attends, on est en train de parler de 7, si c'est joué parfaitement. Oui. What the fuck, c'est moi qui joue 7 en fait ou quoi là? Exactement, mec. Exactement ça. Ok, je pense que c'est un bon A. Ok, à côté de Jax? À côté de Horn, je pense même. Ok. Genre voilà, par là. Parce que le champion reste moins fort que certains dans pas mal de match-up, mais c'est 7 quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est... Ouais. C'est pareil, c'est un champion hyper simple et efficace. Voilà, c'est le meilleur champion du jeu quoi en fait. Shen, c'est sous-côté quand même aussi, ouais, je pense. C'est un early de fou. Ouais, c'est ça, c'est un early de fou. Et c'est Gamebreaker en plus. C'est, bah bien sûr, le décal botlane qui fait gagner la game avec son ult, voilà quoi. Du coup, tu mettrais où Shen? S en vrai, non? Ah, je sais pas, hein, je sais pas. En vrai, j'en vois pas assez déjà pour me faire un avis sur des bons Shen. Mais à mon avis, un bon Shen, il va casser toutes les games. Hein. En vrai, ouais, c'est du S. C'est entre Kennen et Olaf, je pense, quand même. Ok. Shiv, tu veux la mettre ou pas? Je pense que c'est un peu de la merde. Non, mais... c'est pas la peine. C'est pas la peine en top lane, je pense. Singed, est-ce que tu veux le mettre? Singed, ah, c'est moins fort que ce qu'on dit, quand même. Singed. C'est très fort au mid. C'est fort au mid, ouais. Mais au top, bof. C'est bêtière, non? C'est un peu... En vrai, ça reste correct parce que bah, c'est Singed, tu vois, ça casse les couilles. Oui. Oui, mais c'est genre en dessous d'Irelia, je pense. Ah okay. Non, quand même au-dessus. C'est à côté d'Illaoi, à mon avis. Ok. Plutôt. T'as la surprise qui va avec, en plus. Ouais, ouais. Sion. Sion, ça a été nerf aussi. Et en vrai, à part des Sions qui courent sur les tours, bon. On voit pas non plus énormément, quoi. Je pense que c'est du haut du B avec Renekton, à okay. mon avis. Ça va. Tam Kench, on en voit un peu. Alors, il y en a pas mal qui disent que le pick est fort, mais en vrai, depuis qu'ils avaient fait les changements là pour mettre ouais. Tam Kench, genre voilà, support, ouais, genre en bot lane, ouais. Qui sont des très bons changements d'ailleurs, mais c'est vraiment devenu pas ouf en top lane et ça va avoir trop de mal contre tout ce qui se joue en fait. C'est pareil, tu prends le tier A et plus, bah tout le bas en fait. Okay. Du coup, en vrai, c'est avec non, c'est même moins fort que Shogat et tout, hein. En vrai c'est mal, avec Malphite à mon avis. Ok, ça va. Parce que ça cheese, mais c'est tout quoi. Je vois. Trundle. Trundle. Ah, sur le principe, Trundle ça a l'air pas mal, hein, mais c'est vraiment moyen en top lane quand même. Hein. Ouais, là, la phase ouais, de lane bah, en fait, elle est pas ouf. Je pense qu'il va aller... Ouais, je pense qu'il va rejoindre Malphite et Tam Kench hein, par là. Hein. Ça vaut pas ah ouais, vraiment à ce mieux, c'est trop facile okay. à gérer. Ouais, voilà. T'as oublié Timo, je crois. Oui, Timo, quel enfer. Timo. Timo, c'est un peu de la merde aussi, en vrai. Je le cite, mais bon. C'est quand même du B, à mon avis. Hein. Parce que. B vers où? Parce que, bah, ça fait des trucs. En vrai, les Timo, c'est rien, un peu des OTP aussi. Ça sert à rien. C'est à côté de Panthéon, je pense. Ah ouais. Entre Panthéon et Jayce, peut-être. Ok. Ouais, voilà. Urgot, c'est pas mal. Urgot, c'est pas mal, c'est vraiment pas aussi fort que ce qu'il a été. Ça, avec Sion, à mon avis, peut-être meilleur que Sion. Ouais, moi je mettrais meilleur fait, que Sion aussi. Ouais. Ça fait des trucs assez efficaces. L'ulti est bon, pas non plus, l'ulti est très bon. C'est pas non plus, ouais, l'ulti est fort, il surprend et tout. Et puis même, tu te fais choper par Urgot, c'est un peu la galère, mais il est clairement pas aussi fort que ce qu'il a été. Et du coup, en fait, comparé à avant, c'est pas non plus le Urgot de ouf en ce moment, quoi. Trindamer. Ah, Trinda, Ça aussi, c'est particulier, je dirais, quand même. Parce que Trinda, c'est toujours chaud, quoi qu'il arrive. Hein. Personne n'aime jouer contre des Trinda, en vrai, de vrai. Mais, bah, vu que tout le monde est plus tanky, et que Trinda, ce qu'il veut, c'est de tuer avant de plus être invincible, bon. On peut vrai, le mettre en A, moi, pense. Je vais mettre en A, je pense, en vrai. Ouais, je pense qu'on peut le mettre avec Gwen Irelia par là. Ok. C'est pas... C'est... Il est tout à fait jouable.
Mais non, pas non plus le meilleur champion du monde, quoi. Alors, est-ce que Vladimir, tu veux le mettre? Ça fait très longtemps que j'ai pas vu de Vlad top. Et je pense que ce serait pas la folie. Ok, bon, ce serait Cassiotière. Ok. Donc, bon. Volibear. Ah, Volibear, c'est assez polyvalent. Volibear, c'est un très bon pic. Ouais. C'est un pic que j'avais conseillé, je crois, quand on avait fait la vidéo pour, bah, c'est facile, pour c'est apprendre. Fort. À... Ouais. C'est ça, c'est, moi, c'est un simple bon et efficace. Et ça va permettre de progresser. Je pense que c'est un bon A aussi. C'est au niveau de Clay Jax, je pense, entre les deux. Ok, ça me va. Parce que Jax va plus avoir tendance à snowball quand même, donc c'est un peu meilleur que Volibear, à mon avis. Mais voilà, donc c'est bon pic, mais pas... Pas le meilleur, mais toujours aussi bon, quoi. Warwick, tu le mettrais où? Warwick, c'est vraiment pas ouf. Hein. Warwick, yeah, c'est vraiment un truc d'OTP, c'est vraiment un truc de giga OTP. C'est vraiment un truc d'OTP cheesy, machin. T'as vu la vidéo qu'il fait avec Walugaru? Il joue son stuff support, là? Non, j'ai pas vu, il joue Warwick support. Au top, ouais, il joue linceul et tout, il joue BOTRK, linceul et tout. Ah ouais? C'est vraiment très bizarre. Et ça fonctionne? Gros, il est GM 500 épée, là. Ah ouais, il ouais, est 560, je crois, comme quoi, ouais. Comme quoi on peut monter avec ce qu'on veut. Hein. bon, Warwick c'est avec moins fort que Mlafit, je pense. Ok, ouais, bon, je le mets derrière. C'est juste du cheese, hein. C'est vraiment le cheese à l'état pur, quoi. Par donc, contre, si t'es un bon cheeseur, ça peut devenir très fort. Hein. Encore une bien fois, sûr. Les amis, on fait une tier list, mais n'oubliez pas que même si vous jouez Shyvana top et que vous enculez tout le game avec Shyvana top, les gars, régalez-vous. Hein. C'est une tier list de la méta pour vous informer de ce qu'en est à peu près la méta selon Gudule, enfin selon moi aussi. C'est juste ça, les gars, c'est pas en mode. Voilà. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à la vidéo. Tu sais que la dernière fois, il y a un mec qui a mis un commentaire à la vidéo, il me dit tu es Gold 2, 700 games, comment t'oses faire des vidéos, comment sortir du platine cringe. J'ai dit, mais le mec n'a pas regardé la vidéo, je suis avec un challenger 1000 LP en vocal. J'ai dit, mais le mec n'a même pas fait l'effort, ne serait-ce que de regarder la vidéo ou de lire le titre. Ah ouais, ouais, et puis. Et puis, tu es vraiment la référence de la chaîne communautaire, quoi. Donc, forcément. voilà, quoi. Oui, voilà, en plus, moi, je fais vraiment plein de vidéos avec tout le monde et tout. Il y a toutes les vidéos, c'est des feats et tout. C'est quand même un peu grave, quoi. Mais bon, bref. On parle de blogueur. Tu te reconnais, va te faire foutre. Voilà, après, voilà, c'est petit message comme ça qui passe. Wukong, mec. Oh, Wukong, c'est très fort, hein. Après, est-ce que c'est aussi fort en top lane qu'en jungle? Ça, oh, ça fort, mais mec. Quoi. En vrai, c'est quand même du S, hein. Ah oui, moi c'est à côté de Lilia même, de... non ah, un peu moins fort, hein. Je pense que entre Mordeux et Gangplank, parce que Mordeux est quand même balèze. Hein. Ça me paraît correct. Donc ouais, il mérite bien sa place ici quand même. Il y a du counter, mais bon. Est-ce que tu veux mettre Yasuo au top? Ah ouais, j'ai pas mal de jouer Yasuo au top. Et je veux bien le mettre du coup. Vas-y. Bon, c'est vers Panthéon, hein, c'est pas. Ouais, c'est pas. Je sais que c'est très dur en top lane. C'est ouais, un peu. Voilà, Panthéon, Teemo, c'est parfait. Oh lol, y'a Teemo et Yasuo à côté, trop marrant. Yone, mec, tu le mettrais où? Yone, c'est du cheese aussi. Hein. Mais c'est vraiment pas ouf non plus. En vrai, go le mettre à côté de Yasuo, je pense. Ok. Parce que Baello, ça cheese, mais c'est tout. C'est le même principe que Warwick, c'est 100% cheese en top lane. Yorick. Yorick, Yorick, à chaque fois je me dis que je vais le jouer parce que le perso a l'air intéressant. T'en croises pas beaucoup, mais je pense que c'est un peu sous-côté du coup. Et à mon avis, ça mérite d'être en A. Ok. Entre Queen et Singed, je dirais par là. Ok. Parce que le perso en fait va profiter du split en fait avec des c'est trop fort, la trinité qui est forte et tout, ça push les plates machin, ça met pas mal de pression. Ok. Et en fait on le voit par exemple avec Belvet en ce moment, le fait d'avoir plein d'ad, donc de petits bestioles, quoi. Ouais. ça met vraiment une pression de push incroyable, et c'est le même principe avec Yorick, quoi. Okay. Voilà, ils avaient fait des changements pas trop dégueux sur son ulti, et ils vont même le rebuff, je crois. Là, au patch. Du coup, on va revoir des Yorick. Ok. Du coup, on va revoir des Yorick et c'est cool. Le perso est cool. Je crois qu'on a fait le tour. Tu veux rajouter un perso ou c'est bon pour toi? Attends, mec, je on a oublié Karma. Mais on a oublié Karma, mais qu'on en a parlé tout à l'heure. Mais... Ah, Karma. Bah. Tu la mettrais où? Ça me fait très très mal au cœur. Et Karma, c'est broken. Tu la mettrais Karma, Karma c'est avec, à côté de Kennen, ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Mais je vais pas Karma. Ça casse les couilles, gros. Ça casse les couilles. Non, mais je pense que si vous jouez Karma top,
Vous allez vous amuser 30 minutes pendant la game et après vous allez sortir de chez vous, vous allez ressentir les effets de la magie noire agir sur vous et vous allez avoir full malchance toute la journée. Donc faites pas ça. C'est un peu ouvrir la boîte de Pandore quoi. Ah c'est vrai qu'on a oublié Vayne Top aussi. Ah ouais, on finit vraiment par les meilleurs quoi. Vayne, c'est pas ouf. Vayne Top, non c'est pas si ouf. C'est du... En vrai c'est quand même du B, parce que c'est Vayne Top. Ok, tu c'est, genre, c'est genre Gnar, Renek par là, ouais voilà. Ok. Par ici. Alors on me dit Vlad et Zach. Vlad on a dit qu'on le mettait pas top parce qu'il est pas incroyable au top en ce moment. Ouais, alors Zach, je vois pas mal de gens qui rejouent Zach. Ouais. Franchement, c'était vraiment beaucoup moins fort que ce que ça en a l'air. Hein. Okay. N'oubliez pas qu'un pic populaire n'est pas forcément un pic fort. Pareil pour, c'est pareil pour tout hein, dans le jeu. Hein. Ce qui est populaire n'est pas forcément fort. Coucou les H support, hein, vous êtes juste très chiante et pas forcément forte. Mais c'est genre du B. Ok. Ouais. C'est avec les autres tanks là, Bundo et Shogat, je pense. Ok. Parce que Shogat, pardon, Zach est quand même un pic qui fait des trucs, mais c'est juste par le fait d'être Zach en fait. Mm. Ça va faire des trucs plus tard dans la game quoi. Ok, bah écoute, je crois que là, cette fois-ci, on a fait le tour. Je vois des Tarek ouais, top. Bon, après, les gars, on a dit qu'on restait sur des tops conventionnels, qu'on commençait pas à me prendre tous les picks cheesy. Ouais, ouais, déjà on a mis des trucs un peu. Voilà. Les gars, je fais toutes les vidéos sur Skarner top et tout, mais voilà, abusez pas non plus. Ouais, mais moi, j'ai joué en 2012, j'ai joué Rakan top avec. voilà, donc je pense qu'il faut le classer. Et Murdinger, c'est top, Iris. Alors, je pense que c'est plus mid que top, mais. Je pense que ouais, c'est... Ouais, Murdinger, c'est dans la poubelle, surtout, ouais. Tu le mets où? Vas-y, on l'a lancé direct. Ouais, mais le lancé, franchement, ça pue du cul, Murdinger. C'est en nul, en fait, Murdinger top, je t'explique comment se passe le match-up. Il pose ses tours, t'attends quelques niveaux, et après, tu marches au milieu de ses tours, tu te baignes dedans et tu lui fracasses la tronche, quoi. C'est vraiment mauvais, Murdinger. Tu te baignes au milieu de ses tours. On me dit Sylas, est-ce que Sylas top? Je pense que ça joue plus trop du tout, hein, mais... Non, ça se joue plus trop, c'est trop faible. Là, tu prends un pic au pif dans le tier A et plus, il lui casse la gueule aussi là, ça.